Eh bien, bonjour. Voilà. Une nouvelle année qui commence avec cette petite voix, comme les oiseaux. Non, toujours une belle année à vous, avec plein de bonne humeur, hein, ça, on change pas. Autodérision, en pleine forme, efficace. Voilà, tout ce qu'on peut souhaiter. Et puis, si vous regardez cette vidéo et qu'on est au mois de juillet, ça marche. C'est valable aussi. Même chose. Alors, eh bien, c'est reparti pour un tour. Ben voici. Donc, on est en direct, mais en même temps en différé. C'est un concept. Toujours plein de nouvelles choses. Autrement dit, j'enregistre cette vidéo. Ce qui fait que si vous la regardez à l'heure du live, on va pouvoir parler normalement. En chat, en live. D'accord ? Si vous voyez que c'était écrit en première, on va pouvoir communiquer en live. Ce qui fait que moi, je vous fais le cours avant. Je suis tout à ce que je fais. Voilà, je n'ai pas besoin de regarder s'il y a du réseau, pas de réseau, pourquoi ça s'éteint, pourquoi on perd le contact et tout. Ça me désespérait, ça me stressait. Et du coup, quand vous faites le cours, si vous avez des questions ou des choses que vous voulez échanger, voilà, eh bien, je suis tout à vous, je peux vous répondre, puisque à l'heure du cours, je suis là. Pas si vous regardez en replay, hein. Je n'ai pas non plus passé toutes mes heures devant les vidéos. Mais sur les replays, eh bien, c'est avec les commentaires. Ce qui fait que je ne répondrai peut-être pas dans la seconde, mais je tâcherai d'y répondre. Voilà, si vous n'avez rien compris, ce n'est pas grave. Laissez-vous faire, suivez, et puis voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est bien de pouvoir échanger. J'aime beaucoup mes murs, mais vraiment, je préfère les gens en vrai. Donc, il n'y a plus qu'à démarrer pour une petite séance Pilates. Semaine 1 2021. C'est reparti. Donc, je pousse mon radiateur parce que là, c'est l'hiver. On est quand même au mois de janvier. Et je vérifie que vous m'entendez bien. Ça a l'air. Donc, eh ben, en route vers l'aventure, on va se faire une petite séance, on va peut-être pas faire une heure non plus. Hein, c'est la reprise pour certains, c'est peut-être même le début pour tous ceux qui ont pris des bonnes résolutions, de dire « ouais, allez, je commence aujourd'hui ». Donc, petite remise en route, petite remise, voilà, dans le renforcement. Faites des petits cercles, on a pris largeur du bassin, on a les genoux relâchés, voilà, avec mes épaules, je m'échauffe tranquillement. Excusez-moi, hop là, voilà, des petits cercles, avant, arrière, les appuis bien au sol, les doigts de pied écartés, attention, on ne met pas tout le poids du corps sur les talons, on ne met pas non plus tout en avant, on imagine vraiment trois points, talons, un et deux, hein? Ah, sur les petits coussinets, oui. Donc, mes genoux sont relâchés, mon bassin vers le bas, je me grandis au niveau de la taille, j'abaisse mes épaules, j'allonge la colonne. Je vous dis ça tout très vite, mais parce que vous l'avez déjà entendu 10 000 fois. Si vous ne l'avez pas encore entendu, vous allez l'entendre encore 10 000 fois. Voilà. Allez, une grande ouverture. J'ouvre mes bras en V assez large. À l'inspire et à l'expire, je relâche. Donc, vous gardez vos genoux pliés. Inspire, monte, baisse les épaules, dégage le cou. Expire, relâche, comme si on prenait appui sur l'air. Allez, évidemment, c'est au rythme de votre respiration. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Enfin, dans le rythme. Dans le mouvement, c'est quand même mieux de faire la même chose. Allez, et encore. Grandissez-vous, étirez, allez chercher bien vers le haut. Et allez, encore une ou deux respirations. Je m'en mêle déjà dans les fils, ça promet. Et je place mes paumes de main tournées vers le sol. Imaginez que vous prenez vraiment appui sur quelque chose. Voilà, genoux relâchés, toujours. Ok, ça, ça ne change pas. Je vais chercher d'un côté, devant, derrière. Et je recentre. Baissez vos épaules, baissez vos omoplates. Inspire et reviens. Encore une fois, soit les mains face, soit les au sol, soit les mains face à votre écran, face à moi. Choisissez là où vous êtes mieux. Voilà. Et relâchez. Pliez un petit peu plus. Relâchez. Amenez vos mains aux genoux. Tirez votre coccyx vers le bas. Voilà. Et je reviens. Et je vais chercher loin derrière. Mais attention, je ne cambre pas. Et hop, je relâche. Pas plus bas que ça. Ouais, au-dessus des genoux.
Allez, profitez-en pour bâiller, pour respirer, pour prendre de l'espace, pour prendre de la place, pour écarter les doigts, pour vous grandir, pour vous ancrer aussi les pieds dans le sol. Allez, encore une ou deux respirations profondes. Voilà, sentez, habitez l'espace. Voilà, prenez votre place. Et je repose. Voilà, détendez un petit peu. Voilà, pour pas avoir des tensions partout qui viendraient s'ajouter, on va monter le genou sans forcer. Hein. Quand on monte le genou comme ça, je vous rappelle, vous tirez le bassin vers le bas, le coccyx vers le bas. Si vous montez votre genou plus haut et que vous vous retrouvez comme ça, soit plié en dessous, soit tendu, mais enroulez votre bassin, décidément, ça n'a aucun intérêt de vous retrouver comme ça. De l'espace. Donc je tire en haut, en bas. Allez, une jambe, l'autre. Vous aviez déjà changé, vous avez raison. Un pied à l'équilibre. Il reste des fêtes, là. Je tire mon bassin en bas. Je grandis ma colonne. À nouveau, mes abdominaux, hein, ils sont maintenus vers l'intérieur. Mon périnée, il n'est pas parti en vacances, il fonctionne. Ok, on le met en jeu, on l'engage. Hein, un petit maintien, simple. Mais c'est son boulot, hein. Il a été payé pour notre périnée, faire ça, maintenir le plancher. Donc il n'est pas au repos. Ah bah ouais, c'est le début de l'année. Donc on commence avec les bonnes résolutions. Je monte, je vais ouvrir, je reviens et je repose. Donc on engage aussi là, tous les muscles de l'équilibre. Donc si on perd l'équilibre, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Évidemment, vous n'avez rien de dangereux autour de vous. Allez, je monte, mais je me grandis là. Je sens mon ventre qui se plaque. J'écrase pas, je me tasse pas. Toujours, je monte. À l'inspire. Voilà, si vous voulez mettre, placer votre respiration, tu inspires et tu expires et tu inspires. On va aller chercher derrière. Attention, équilibre toujours. Je plie, je peux accrocher mon pantalon. Je suis pas obligée tout de suite d'amener le talon sur la fesse. Et j'essaie de revenir par le même chemin. Ah bah ouais. N'allez pas chercher trop loin, prenez votre chaussette, votre pantalon, pas plus que ça. Le retour est aussi important que l'aller. Allez, on continue. Et donc, je vous rappelle, s'il y a quoi que ce soit, voilà, je ne vois pas trop ce qu'il y aurait, hein, mais n'hésitez pas, si vous êtes sur l'heure du direct, à échanger par chat. Puis s'il y a besoin, sur vos commentaires, si vous êtes en replay. Enfin là, vous êtes concentré, vous ne pouvez pas tout faire à la fois non plus. Bien sûr qu'on peut prendre son talon, on peut prendre la cheville, le pied, si on souhaite aller chercher plus loin. Hein. On peut aussi prendre là, vous avez vu, j'ai pris ma cheville. Hop. Le retour, toujours le retour, on ne l'oublie pas. On le bâcle pas. Allez, c'est bien. Relâchez ou continuez si vous voulez. Montez, allez chercher jusqu'en haut. Baissez vos omoplates. Il faut vraiment sentir, vous les faites glisser. Voilà, donc on est là. On s'est grandi, on monte demi-pointe. Je repose talon. Je ne monte pas mes épaules dans les oreilles. Et je plie. Une chaise. Donc vous avez vu, je suis légèrement inclinée en avant. Voilà. Je remonte. Demi-pointe. Imaginez que vous appuyez là sur l'air. Replace talon, mais grandis-toi au niveau de l'abdomen. Et j'étire, j'étire. Allez, encore. Bon, vous entendez ma respiration, hein, j'imagine, je la force un peu. Donc, allez, et encore. Expire. Rentre le ventre, il y a toujours l'équilibre. Montez haut la demi-pointe, pose et en chaise. Si vous êtes mieux à amener vos bras là, amenez-les là. Et hop, on remonte. Plat, demi-pointe, appui, pied plat.
Expire, chaise. On peut ramener les bras jusque devant. Colonne bien étirée, un dos bien plat. Rentrez le ventre. Maintenez. Sentez l'espace au niveau du dos, au niveau du ventre. Baissez bien toujours, toujours vos épaules. Allez, encore une ou deux fois. Pieds plats. Et demi-point très haut. Je pousse mes talons en avant. Je ne recule pas mes épaules. Et je replace. Dans l'étirement, pied plat. Je reste pied plat, je reste pied plat. Toujours, 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 toujours. Et une dernière fois. Rentrez le ventre là, ça joue. Tous les muscles de l'équilibre. Les muscles posturaux. Le dos, les abdos, les chevilles. Tout ça. Allez, et là je relâche jusqu'en bas. Allez, détendez. Détendez les épaules. Bougez un peu la tête, je vais vous relâcher, balancer. Voilà, comme ça, ou sur le côté. Ça doit être confortable, on force pas, c'est pour détendre. Et déroulez doucement votre dos. Voilà, petit à petit. Relâchez bien, détendez. Ah, j'ai dit que je vous enregistrais parce que c'était plus simple, mais... Il faut quand même que je vérifie deux, trois choses. Si vous avez la musique, si c'est pas trop fort. Si je vous casse pas les oreilles. Allez, détendez. Bougez un petit peu là. Les chevilles, relâchez. Des petites vibrations pour récupérer. On va aller chercher sur une chaise, toujours. Donc je plie. Là, je mets trois quarts. Donc là, j'étire mon coccyx vers le sol, là-bas derrière dans la diagonale. Je relève pas les fesses. Ouais, donc je ne tombe pas non plus la tête. Une fois que je suis là, je reste pliée, restez pliée. Vous allez ouvrir côté la pointe de votre pied et vous revenez. Et deux, et trois, et quatre. L'autre, je passe poids du corps sur la jambe. Voilà, l'autre hein, qui est plié, qui n'a pas bougé. Le point de départ, c'est là, hein, c'est la chaise. Et allez, quatre, trois, respirez normalement, lentement, calmement. Un, hop, il n'y a pas de haut et bas. Hein, mon corps reste au même niveau, je ne fais pas des trucs comme ça. Allez, 4 et 1, 2, alors on peut mettre les mains là, 3, oula, 4 et l'autre, 1, oula, 2, et je respire, 3, 4, étirez votre dos de haut en bas, 4, 3, 2, j'allonge jusqu'au bout des orteils, hein, ils sont hors champ, mais je pointe une belle pointe de pied de danseur. Allez, encore, pliez, pliez, pliez. Ouais, bah oui, petit à petit, ça va remonter. Hein. Je vous connais. Je me coupe parce que moi-même, je fais pareil. Hein. Allez, encore, tirez, tirez. Respirez calmement. Toujours, encore 4. Et 3. Et 1. Pliez, allez, tirez. Pas de bassin qui bascule en avant. Ça va? On essaye une dernière fois? Allez, 4. Et 3. Jambes pliées, revenez toujours bien dans votre chaise. 3. Et relâchez. En bas, tendez les jambes si vous voulez. Ou passez complètement accroupi. Vous pouvez aussi. Détendez. Revenez doucement. Ah, étirez, baillez. Relâchez, faites les mouvements qui vous font du bien de façon à détendre. Puisqu'on va partir sur la même chose. Chaise, au lieu d'ouvrir sur le côté, j'ouvre en arrière. Donc je me place, j'ai mes pieds, hein, mes talons à plat dans le sol. J'essaie de me placer pour que vous puissiez voir dans ma petite boîte de YouTube. Allez, c'est parti, étirez le dos, pointe, et deux, trois, c'est mon grand fessier là. Hein. Ah bah ouais, il s'est un peu endormi pendant 15 jours. Allez, encore, allonge, rentre le ventre. Toujours. Jusqu'au bout des orteils. Attention hein, de ne pas me faire un truc avec la jambe du dessous qui ferait un espèce de plié tendu. Ça, c'est autre chose, c'est pas ce qu'on fait. Oups là, droit. Continuez, ne vous occupez pas de moi. Encore, on alterne. Et si vous êtes à 3, quand je suis à 4 et inversement ou n'importe quoi, comptez, vous en faites 4, même si vous pouvez en faire 5 même. Allez, l'idée c'est de le faire pendant 1 à 2 minutes.
Alors, soyez toujours sur ce que vous ressentez. Vous devez avoir mal nulle part. Enfin, mal nulle part, vous devez sentir que ça travaille. Mais pas de douleur qui irait s'installer dans le dos, dans les épaules, je ne sais où. On relâche sinon. Rentrez votre ventre. Allez, on peut relâcher ou continuer si vous le sentez. Peut-être aussi si vous sentez que vous voulez en faire encore pendant 4 heures, c'est que vous n'étiez peut-être pas assez plié dans votre chaise. Donc, même chose, on prend le temps de relâcher. On prend le temps de relâcher parce que je sais qu'il y en a qui continuent, qui vont un peu plus longtemps. Donc ça vous permet de continuer ceux qui ont envie de faire plus longtemps. Ceux qui ont envie de faire moins et qui ont arrêté depuis plus longtemps, bah, vous arrêtez depuis plus longtemps. Hein, vous étirez, vous relâchez, ça, il n'y a pas de souci, vous savez faire. Ça va ? On va faire un côté, l'autre côté, en arrière, en arrière. On va tourner comme ça, sur 4. C'est parti ? Prêt ? Je me replace. Voilà, j'étire bien mon dos, je maintiens mon ventre. Là, mes abdos, c'est tenu, tous. Transverse, grand droit, toute la famille. Donc, un côté et l'autre, derrière. Je continue par la même jambe qui commence. Bon, là, en l'occurrence, moi, c'est ma jambe gauche. Vous, c'est peut-être la droite, c'est pas grave. Allez, toujours bien plié. Encore. Imaginez un peu comme les patineurs. Allez, on en a fait 5, on part de l'autre jambe. 1. Et 2. Toujours bien plié. 3. Et 4. Et 5. Rentrez votre ventre. Étirez et on reprend. Encore une nouvelle série. Et 1. Pliez, pliez. N'hésitez pas à aller plus loin que moi. Et 2. Vous savez que moi, je ne fais pas qu'une fois par semaine. Donc, je me ménage. On est au troisième ? Je ne sais plus. 4. Hein. J'en ai peut-être mangé un. 5. Allez, 5 de l'eau. Pliez bien, étirez votre dos. 2. Trois. Pliez, pliez. Ah, qu'est-ce qu'on a envie de tendre un petit chouïa en plus, hein. Et 4. Mais non. Dernier. Et relâchez. Détendez dans la position que vous voulez. Respirez. Vous pouvez aussi étirer dans le sens. Hein? Il y a tout un travail aussi sur le grand fessier, sur le bas du dos. C'est pour ça que je vous dis de faire attention de maintenir le ventre. Et puis les cuisses, elles ont un petit peu bossé. Tout va bien. Je vais aller croiser ma jambe en équilibre devant. Je vous le fais au ralenti. Et je descends mon corps comme si je voulais aller toucher ma cheville, mon talon. Je reviens et je croise en descendant. Je vous le fais de face. Je remonte. Hop. Et derrière. Plie. Et. Et. Ouais, je suis toujours sur la même jambe. Alors, bien sûr, il y a l'équilibre. Croise. Va un petit peu le corps en avant. Et plie. Croisez derrière. C'est bon, vous en avez fait 5 ? Moi, ouais. Vous ? Vous n'avez pas compté ? Bon. Allez, l'autre côté. Ça va ? Donc la descente, c'est croisée. Mais je ne vois pas mon bassin. Équilibre, déséquilibre. J'expire. Tout va bien ? Là, j'étais sur un rythme un peu soutenu. Alors, vous pouvez en faire 6, hein, continuer. C'est-à-dire, j'inspire quand j'étais en bas, j'expirais quand j'étais en haut. Vous pouvez faire l'inverse. Expire en bas, inspire en haut. Et vous pouvez aussi faire plus lent.
si l'équilibre ça va pas trop mal. C'est-à-dire expire à chaque effort. Allez-y, c'est reparti. Vous pouvez être dans le rythme plus rapide. Là, je suis partie sur un rythme lent. Je vous laisse faire. Hein. Le plus lent, ben, il y a l'équilibre du milieu. Le rapide, je vous rappelle, bonne inspiration, je vais expire, inspire, expire, ok? Je vous laisse faire, je refais la version lente, moi. Youhou! Ça réchauffe, hein? Je suis au troisième, moi. Vous? 4. Heureusement, il y a le mur. Ah non, j'ai pas d'équilibre aujourd'hui. 5. Il y a des jours. Hein. Et 5. Non, normalement, il n'y a pas des jours, mais c'est vrai que ça fait longtemps. Hein. Il y a bien 15 trop jours d'arrêt. Il y a eu des vacances. On a fait autre chose. Et ben voilà. Il faut que tout se remette en place. Vous, bah dites-moi si ça va l'équilibre. Vous êtes reparti sur une série si vous aviez fait rapide? Si vous étiez sur un rythme lent comme moi, pas lent, ça ne veut pas dire mou, hein, ça ne veut pas dire moins fort, vous pouvez relâcher. Si vous étiez plus rapide, vous avez eu le temps d'en refaire. Choisissez votre option. Respirez. On va passer à quatre pattes. Buvez un coup, terminez hein, si vous êtes encore dans une série. Moi, je baisse un peu la caméra pour passer au sol. Quatre pattes. Alors, on baisse ça. Ça devrait faire. On éteint le radiateur. Parce que là, franchement, est-ce qu'on en a besoin encore? Non. Je suis là. Voilà. C'est bon, vous avez eu le temps de terminer, de boire, de vous installer, de mettre votre tapis, de mettre du moelleux. Ouais. Alors, reprise des festivités. Semaine 1. Qu'est-ce que ça va être la semaine 30, la semaine 50? Donc repoussez-vous. Voilà, dégagez bien vos épaules, tirez votre coccyx loin derrière. Je retourne mes pieds. Ah, il y a la chaise qui va gêner. C'est ça, c'est ça. C'est toujours les studios Spielberg. Donc, enfin, Audit Spielberg, hein, je vous rappelle. Donc, pied flex. On était là. Voilà, c'est bon, je rentre toujours dans ma boîte. Je décolle, mais je mets du sol, mais oui. Un tout petit peu, je suis toujours de plat. Donc, vous restez en statique. Vous voyez, là, je suis sur le tapis. Je suis plus sur le tapis. Voilà, et je vais allonger et revenir. Allonger et revenir. Allonger. J'en ai fait 4, je relâche, je repose et on recommence. L'idée, c'est d'être dans cette position. Allez-y, reprenez. Cette position du 4 pattes. Pied flex, je me repousse et je tends. Je reviens en position de départ. Alors, moi, je pars sur 4. Si vous voulez en faire que 2, vous pouvez. Si vous voulez en faire 6, vous pouvez. Adapté, on est sur une 32 minutes de celui-là. Donc on peut relâcher aussi plus hein, si on a envie. Et encore. Vous voyez, là, je vais en faire que 2. Oh, j'ai décidé, je relâche. Ok. Vous avez peut-être décidé, vous, d'en faire 6. Prenez toujours soin de vous placer. Ma respiration est dissociée des mouvements, c'est-à-dire qu'elle est très ample, très lente. Voilà, donc selon les personnes, ça va être sur plusieurs mouvements, mais voilà, on compte simple. Repoussez-vous. Allez, dernière.
Vous avez dû le sentir aussi dans les cuisses. Alors moi, j'ai travaillé les cuisses sur d'autres cours, d'autres séances. Je sens d'autant plus. Mais gainage, on pense à rentrer le ventre pour tout ça. On passe sur le côté. J'ouvre ma jambe sur le côté. Je mets bien mon bassin, attention de ne pas laisser partir en arrière. Étirez, grandissez-vous, on ne voit plus mes mains, mais ce n'est pas grave. Je repose sur le côté, je touche le sol. Et je remonte, travail de la taille. Et je redescends. Monte, étire. Expire, descend, continuez. Ouais, je suis peut-être... Ah bah non, il fallait pas que je recule. Fait que j'avance. Continuez. On part sur une douzaine. Enfin, vous partez sur une douzaine parce que moi, le temps que je m'installe... Ouais, je crois que ça y est. Hein. Vous les avez fait. Allez, l'autre côté. Donc, poussez bien bassin. Et hop, je touche doigt au sol. Et je reviens. Donc, je maintiens bien le ventre vers l'intérieur. Voilà, et c'est un maintien. C'est pas non plus une contraction, là, sans couper le souffle. Hein. Allez, 8, 10, 12, comme vous pouvez. Je vous rappelle que si vous reprenez après une longue période d'arrêt, faites-en moins. Si vous commencez, même après avoir jamais commencé, encore moins. Et si vous avez la pêche, parce que vous avez fait tous les cours en replay, tous les jours. Voilà, ben vous en faites plus. C'est aussi sur le ressenti. Allez, moi j'arrête. Peut-être vous sentiez que... C'est intéressant des fois d'ailleurs d'être plus sur le ressenti que sur le compte. Genre 8 et 8. Peut-être, oui, on peut en faire plus d'un côté, moins de l'autre. Parce qu'on n'est pas équilibré. Donc, c'est normal. Hein. Donc, faites sur aussi ce que vous ressentez. Alors, il ne faut pas renforcer le déséquilibre. Mais voilà, si on ne peut plus, on ne peut plus. Ça ne sert à rien de dire « Ah non, je vais en faire 4 parce qu'elle a dit qu'il fallait en faire 4 hein, de plus. » On alterne un côté et l'autre. Je vais ouvrir ma jambe, monter et descendre, monter et descendre, monter. Je ferme et je suis légère sur mes genoux. Et bien sûr, vous avez mis du moelleux sous les rotules. Non. Hop, vous êtes obligé de vous alléger. De toute façon. Allez, je touche le sol. Alors, je peux toucher des bouts des doigts. Je peux toucher toute la main. Sans m'appuyer dessus, mais hop, d'aller chercher plus loin. Pour le travail sur la taille. Ça a été le chocolat pendant les fêtes? Et la galette? Est-ce qu'on en parle de la galette? Non, on n'en parle pas. Allonge. Attention à ne pas reculer le bassin, à hein, faire des trucs comme ça. Vous continuez, hein, ne vous arrêtez pas. Ouais, toujours gainé, fessier, ventre tenu. Allez, encore un petit peu. Ah bah oui. Une fois que lancez la machine. Allez, relâchez. Étirez, allongez. Soufflez bien. Allongez le dos, écartez les genoux. Est-ce que ça va? Normalement, ça fait du bien. Hein, ça vous manquait? Ouais, je suis sûre. On va reprendre sur la base d'une planche. Donc la base, on va reprendre sur une soft, la planche. Sur les genoux. Enfin, sur l'avant des cuisses, plus exactement. Donc, quatre pattes. OK. Ouais, je suis là, sur mon quatre pattes. Je bascule en avant. Voilà. Là, c'est plus bon. Hein. Hop, j'étire. J'étire mon coccyx. N'oubliez pas le coccyx, là, qui tire vers vos pieds. Hum? Donc, pas en l'air. Et pas complètement relâché. Je relâche bien tout. Je retourne mes pieds. Voilà, et je tends. Voilà, et je pose un genou. Je frôle le sol et l'autre. L'un et l'autre. Donc, je tends ma jambe. Je fais l'un et l'autre. L'un, continuez parce que vous ne voyez rien. Et l'autre. Et l'un et l'autre. Je ne remonte pas les fesses. Je respire.
Je relâche quand je veux. Je reprends. Allez, encore au moins 1 minute 30. Hop, placez-vous, prenez le temps. Retourne. Temps. Alors, vous aviez peut-être relâché avant moi. Hein. Vous étiez peut-être encore en train de le faire et à présent, vous relâchez. Attention, les épaules dans les oreilles. Alors, je m'expose pas le genou au sol, je frôle le tapis. N'hésitez pas à relâcher le temps que vous en sentez le besoin. Et on reprend. Petite 30 secondes encore. Enfin, pas forcément 30 secondes d'exercice. Hein. On peut relâcher et reprendre. Allonge ton dos. Ne cambrez surtout pas. Maintenez le ventre vers l'intérieur. Ah, qu'est-ce qu'il était bien celui-là. Ah non, j'ai relâché trop tôt. Continuez si vous y êtes encore. Ouais, j'avais le chronomètre, mais dans le dos, alors pas grand intérêt. C'est bon. Allez, relâchez, détendez. Le temps que je vous montre le suivant. Donc le suivant, on repart encore sur les genoux. C'est pour ça que prenez vraiment soin de vous installer. Moelleux. Moi, ma petite galette de chaise fait très bien l'affaire. D'ailleurs, elle ne sert qu'à ça, au cours de gym. Sur le côté, rappelez-vous tout à l'heure, la jambe. Ouais, on va travailler les fessiers. Je pose ma main dans l'alignement de mon corps. Donc, pas en avant. Vraiment, main, genou, pied là-bas et bassin, tout sur le même plan. Je suis un mur devant, un mur derrière. Je vais chercher un peu plus loin. Pourquoi ? Parce que je vais descendre, comme si je voulais m'asseoir au sol, mais je ne m'assois pas. Allez, et encore. Et deux. Et je reviens. Je monte bien au point de départ. Et trois. Attention, votre épaule là. Dégagez du coup. Quatre, c'est tout. Quatre. Voilà, revenez, pliez. Changez de côté. Ouvrez le haut du corps. Voilà, j'avance éventuellement mon bras et je descends. Un, et je remonte. Et deux, et je remonte. Et trois, attention, l'épaule pas dans l'oreille, je remonte. Et quatre, je remonte, je referme. Côté, ouvrez le corps, ouvrez le bassin. Jambes en l'air. Et un, ah, peut-être qu'on va moins bas. Hein. Et deux. Et respirante, le ventre. Trois. Je touche pas le sol, hein. Moi j'arrive pas à poser le sol. Et quatre. Ouais. Alors bien sûr, il y a le poignet, je vous entends ronchonner là. Tiens, j'ai mal au poignet. Et bien on en fait moins. Mais c'est important aussi de travailler cette articulation. Et un. Et deux, rentrez le ventre. Et trois. Allez, j'ai la jambe en l'air, hein? Vous aussi. Quatre. Ouais. Allez, une dernière fois. Continuez. Alors, il existe des petites poignées pour au sol. Ça fait un peu comme des, je sais pas, des poignées. Des fers à repasser, revier, corriger. Voilà, pour ceux qui vraiment ont les poignées raides. Mais là, il faut les assouplir aussi. Il faut faire les exercices pour. Hein. Hop, quatre. Allez, on arrive au bout. Deux, je rentre mon ventre, j'étire mon dos. Ça ne change pas. Hein. Trois, et l'épaule, on est d'accord qu'elle n'est pas dans l'oreille. Et quatre. Waouh, bah c'était sympathique ça. Pour une année prometteuse. Ouais. Ça va, vous êtes toujours avec moi. Vous n'êtes pas fâchés. Non. Un petit tailleur pour étirer nos fessiers. Il n'y a pas que qui ont travaillé, mais ils ont un peu bossé là. Soufflez, respirez. Détendez. Allez, on croise l'autre pied. Détendez vos épaules. Laissez votre corps peser vers le sol. Voilà.
Donc, on reste assis. On peut mettre du moelleux pareil à votre tapis, un petit coussin, mais alors un petit coussin qui ne vous emmène pas trop en arrière, enfin pas trop, pas une brique de yoga, parce que vous n'allez pas être forcément bien placé pour les exercices, hein, des fois c'est trop. Après, testez, essayez, mais bien planté dans le sol le bassin. Le dos droit, genou, pied, largeur de mon bassin, voire même un petit peu plus. Allez, tirez le dos. Vous repoussez. Allez, on repousse le mur, mais j'étire mon dos. Ouais, ça c'est pas bon. Voilà, et je reviens, main devant. Et encore, j'expire. Voilà, et j'étire l'avant de mon corps aussi. Alors, on n'est pas cambré, hein. Mais c'est devant, derrière, c'est pareil. Je n'écrase pas. Alors, on n'est pas obligé de souffler par la bouche. Ça peut être par le nez, ça marche aussi. Ça peut être par la bouche, comme si on faisait de la buée. Ça peut être par la bouche, comme si on soufflait dans une paille. Ouais. Ou sur la flamme d'une bougie, mais on ne veut pas l'éteindre. Ouais, toutes les images. Choisissez votre respiration. On continue, mais là, je vais repousser le mur un peu par là. Et je reviens au centre. Et l'autre côté. Mais j'écrase pas au niveau du ventre. Alors, on passe et on repasse sur le coccyx. Je suis désolée pour ceux qui ont des problèmes de bassin déplacé, de coccyx fêlé. Et j'ai pas grand-chose à vous proposer à la place de celui-là, à part un autre exercice. Parce que c'est vrai qu'on passe et on repasse dessus. Alors, peut-être le moelleux vous va. Sinon, si vraiment vous voulez le faire, vous revenez pas au centre. Hop, et vous allez d'un côté et de l'autre. Ah, c'est bien. Ouais, c'est-à-dire je ne remonte pas, je ne fais pas mes allers-retours. Bon, après, même si on n'a pas le coccyx fêlé, on peut l'essayer. Hein. Mais à un moment, il faut relâcher quand même. Ouais. Vous êtes encore dans le premier, les allers-retours. Vous avez tenté celui des coccyx douloureux. Je vous laisse finir. Selon celui où vous êtes. Alors, sachez que de toute façon, quoi qu'il arrive, jamais vous ne devez avoir mal dans le bas du dos au niveau du carré des lombes. Même s'il travaille, hein, on n'isole jamais un côté. Quand ça travaille devant, derrière, c'est pas au repos et inversement. Mais c'est pas eux qui doivent être moteurs du mouvement. Donc, c'est pas eux qui doivent tout prendre. C'est devant. Donc, on n'hésite pas à relâcher, à faire des séries plus courtes, mais plus nombreuses. Hein, gérer l'effort, gérer votre effort. Pour certains, ça va être plein de petites séries. Pour d'autres, ça va être deux grandes et puis c'est tout. Voilà, soyez à l'écoute. Ne forcez pas. En tout cas, on ne travaille jamais en force. On ne travaille jamais dans la douleur et comme des brutes épaisses. On y va pour avancer, pour que ce soit efficace et pas pour dire « Ouais, allez, on y va, on se fait mal et c'est bon. » Non, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, ça ne marche pas longtemps, celui-là. En général, à un moment ou à un autre, on le paye. Étirez sans forcer en avant. On va essayer d'aller chercher un petit équilibre sur les fessiers. Donc j'accroche sous mes jambes, j'ai pas accroché mes doigts. C'est une jambe, un bras, c'est tout. Voilà, je suis là, je croise mes pieds, mes genoux sont un petit peu écartés. Et j'essaie d'étirer mon dos déjà, juste rester comme ça. Sur vos jambes, vous allez pouvoir poser un plateau. Ça, c'est pas bon. Oui, je suis là. Voilà, tout va bien. Ben, je vais croiser justement mes pieds. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Mes genoux sont toujours écartés. Et 8, on tricote. Et 2, et 3, 4, et 5, et 6. Allez, encore 8, 2, 3. Étirez votre dos, là, jusque-là. 6, ouais, comme si on vous tirait par les cheveux. Et 1, et 2, 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Relâchez, allongez les jambes si vous voulez, ou restez pliés. Peu importe, on recommence. Donc, les genoux sont écartés. On a fait 4 séries de 8. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins, bien évidemment. Je reprends. Voilà. J'ouvre mes genoux, mes hanches un peu. Ouais, je croise un pied sur l'autre. Cherche mon équilibre, déjà. Et c'est reparti. J'allonge mes pointes de pied. Allez, faites les petites batteries des danseurs. 5, 6, 7, 8. Option. 2, et ouais, 3, 4, 5, 6, 7. Si c'est trop dur, une main aussi. Quatrième série. Je peux faire l'autre main. J'ai mes genoux qui sont toujours écartés. Allez, on fera encore une fois. Donc vous avez vu les diverses options. Je reste accrochée, je lâche les mains, j'en mets qu'une. Choisissez la vôtre pour la dernière ou faites comme moi.
naviguer entre toutes celles-là. Dernier. Je me place et je prends toujours soin de me placer hein, dans les positions. Allez. 5 et 6 et 7 8 et 2, 3. Étirez le dos, respirez. Et 3. N'oubliez pas, vous avez le droit de relâcher. Dernière série. Si vous voulez en faire plus, vous en faites plus. Détendez. Voilà. Cherchez la position qui vous fait du bien. Moi, je vous donne une base. Évidemment. Enfin, même quand on est en cours, en présentiel. Hein. Mais je vous donne toujours une base. Vous faites plus, vous faites moins, vous modulez. On n'est pas tous au même niveau. Et puis même, c'est pas une question de niveau. On n'a pas tous la même forme. Hein. On ne le fait pas tous. On est peut-être le vendredi, on est peut-être le dimanche matin, on est peut-être... Hein, si vous faites ça en replay. Voilà, donc... Voilà, d'autres, ça va être le mardi, le jeudi. Enfin bon, bref. On passe allongé. Sur le dos. Voilà, prenez le temps de vous installer. Allez, on fait encore deux exercices et c'est bon pour cette première séance de l'année. Voilà, on part sur une séance plus courte pour se remettre dans le bain. Donc, j'étire toujours mon dos là, hein, mais mon bassin. Je soulève ma tête, j'étire toujours ma colonne. Je creuse pas, je mets pas la tête en arrière et je n'écrase pas mes lombaires dans le sol. Évidemment, l'inverse non plus, je ne force pas la cambrure. Voilà, on allonge bien. Et là, je vais poser juste délicatement mes doigts. Je tire pas, ouais. Délicatement poser, voilà, c'est tout. Et je vais aller allonger une jambe. Ma main glisse sur ma cuisse, hop, et je reviens à l'inspire. Je rentre mon ventre, j'étire mon dos. J'expire. Il ne doit rien se passer dans votre dos, dans vos lombaires. Il n'y a pas de je creuse, j'arrondis et je cambre. Hein, ça ne bouge pas. Votre position de départ, c'est la même. Simplement ça. Et reviens à l'inspire en avalant le ventre. J'expire, je contracte le périnée. Rappelez-vous. Et je reviens. Expire, contracte périnée et après. Tout va bien? J'étire mon dos, je respire, j'expire. Et j'inspire. Vous relâchez quand vous voulez. Ouais, ou vous continuez. Mais n'hésitez pas, ne forcez pas. Étirez bien votre dos. Maintenez le ventre à l'intérieur, le bas du ventre, le transverse. Hein, la région sous le nombril. Bon, il va un petit peu plus haut aussi. Hein. Grand droit plaqué, pas écrasé, pas raccourci. Si ça va bien, je mets une jambe et tout de suite je change. Et vous voyez, ma main, je ne presse pas, hein, je ne prends pas de force dans mes bras, hein, je n'écrase pas mon genou sur la poitrine. Je suis posée. Donc d'un côté, je vais inspirer et de l'autre, je vais expirer. Et j'inspire et j'expire. Alors vérifiez. Souvenez-vous de quel côté vous inspirez quand vous faites quelle jambe. Mes jambes ne sont pas posées au sol, vous aviez remarqué. Ouais, je ne suis pas posée. Non. Donc, vous avez vérifié, vous inspirez d'une jambe, vous expirez quand c'est l'autre, et après, on va inverser. Moi, je relâche, vous pouvez continuer, vous avez peut-être déjà relâché. Voilà, je vais reprendre, donc je vais inverser dans mes respirations. Essayez de sentir votre ventre qui se plaque vers l'intérieur. Mais ça n'a pas d'incidence sur le placement de votre bassin ou de votre dos. Les abdos, ils sont là, hein, ils se plaquent. Il n'y a pas de raison de tirer, de faire basculer les bassins. Autograndissement de l'espace, toujours, 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 toujours. Ça va? Vous êtes encore dedans ou vous avez relâché? Je tire pas, je prends pas de force avec mes bras. Le but, c'est pas de travailler les biceps, là. On est sur les abdos. Donc mes mains, elles font que suivre, hein, caresser le genou, la cuisse. Voilà, relâchez, détendez, soufflez. Passez dans la position que vous voulez pour récupérer. Bon ben,
Le dernier. Toujours jambe en l'air. Voilà, j'en mets une en l'air que je peux tenir avec une jambe. Avec une jambe, avec un bras. Ça y est, ça commence à dire n'importe quoi. Ouais, si elle n'est pas tendue, c'est pas grave. C'est pas ce qui est important. Je vais chercher devant. Voilà, je suis toujours en l'air. Et je vais faire des petits cercles. Quatre petits cercles. Deux et trois. Et quatre, imaginez que votre pied, là, c'est un crayon avec la pointe. Et je reviens. Je change. Je descends. Et quatre. Peu importe le sens. Deux. Un. Hop, je reviens en la pliant. Ouais, et je change. Bon, alors bien sûr, certains peuvent être complètement tendus, hein. Et deux, là, je suis tout tendue. Trois. Et quatre. Et je reviens plier, par contre. Et quatre, entrez, plaquez votre ventre. Deux, un, et je reviens. Je vous rappelle que vous pouvez relâcher. Donc, soit les deux jambes tendues, soit celle-là, elle plie un petit peu. Je ne prends pas toute la force dans mon bras. Respirez, relâchez, reprenez. Gérez l'effort. Continuez. Si vous pouvez, on va soulever la tête et maintenir avec le bras là qui tient personne. Et je repose là. J'ai bien dit si vous pouvez. Hop, je soutiens. Je ne tire pas sur mon cou, hein. Je soutiens. C'est comme un appui-tête, au contraire, comme un coussin. Je repose. Respirez tranquillement. Hein. J'inspire et puis j'expire. Deux. Donc soit avec l'option tête soulevée, maintenue. Soit je garde ma tête au sol, je plaque mon ventre, faites comme vous pouvez. Bloquez pas votre respiration, si on peut on finit. Allez, si vous avez encore une jambe à faire, faites-le. Si vous aviez plus de jambe à faire, ben relâchez tranquillement, reposez tout. Voilà, détendez. Voilà, soupirez. Laissez tout votre corps se relâcher dans le corps. Votre respiration se calmer, votre cœur se calmer. Si vous avez senti que hein, ça a été cherché un petit peu. Voilà, détendez, soupirez. Et bien sûr, si vous ressentez le besoin de vous étirer, faites-le. Hein, dans tous ces mouvements de récupération, de pause, on fait ce qu'on a, on vit ce qu'on ressent. Allez, deux petits mouvements pour relâcher. Donc, je ramène mes pieds en l'air. Je laisse mes genoux se poser au sol, ma cuisse se poser au sol. Là, je peux être décollée. Je peux poser ma main là, je peux poser ma main là. Ça doit rester confortable. Donc, l'épaule, l'omoplate dans le sol, on ne s'en occupe pas. Restez, essayez d'étirer, d'ouvrir là, toute cette zone. Des côtes, voilà, éventuellement une petite pression là, ça va étirer aussi toute la région fessier, et puis joue bien le haut du corps, le haut de la cage thoracique. Pensez à détendre votre visage, hein, le front il est lisse, la mâchoire elle est desserrée, on peut avaler sa salive, pour, on peut déglutir pour relâcher l'arrière de la gorge. Vous pouvez rester ou bien changer comme moi. Prenez le temps de vous installer et là, on cherche du confort. Ça doit être agréable. D'un côté, je mets une petite pression vers le sol, de l'autre, j'ouvre, mais c'est en douceur. Si vous sentez des zones qui sont tendues, justement, placez votre conscience sur ces endroits du corps pour essayer de les détendre. Et voilà. Revenez. Prenez le temps. Étirez-vous. Étirez un bras, l'autre bras. Grandissez-vous, grandissez un côté, l'autre côté. Voilà, passez sur le côté.
pour vous redresser. Voilà, pour passer assis. Regardez, j'ai une jambe qui est pliée derrière. J'étire, on étire un petit peu encore. J'allonge une jambe devant. Donc mon pied, il est là-bas. Si vous pouvez. Et vous laissez juste aller. Mes bras sont détendus, ma tête est tendue. Je relâche juste mon corps sur la jambe. Et je laisse peser tout mon corps. À chaque respiration, je détends. Je vérifie pareil que mon visage est détendu. Mes trapèzes, mes épaules. Et on va changer. Ramenez votre jambe. Pliez l'autre. Derrière, ouvrez-la. Prenez le temps de vous installer. Si vous sentez que ça vous met une crampe là, prenez le temps de vous installer. Vous pouvez aussi, un peu loin mon coussin, mettre du moelleux là. Hop. Un peu plus haut si votre genou ne peut pas descendre trop bas. Vous pouvez, mais vous allez avoir la fesse décollée aussi. Adaptez. Et puis si ça coince, c'est que peut-être ce serait bien que vous fassiez aussi. Vous fassiez, oui. Vous alliez sur les cours de stretching, peut-être. Alors, pas tout en même temps. Hein. Stretch, c'est vraiment indépendant de toute activité physique, de cours de pilates, de randonnée, de course à pied, natation, vélo, ce que vous voulez, rugby, danse classique. C'est indépendant. C'est le stretch, ça doit être vraiment loin de tout ça, seul, pour vos muscles. Mais c'est bien. C'est bien de faire les deux, hein. Je vous y invite vraiment, l'un prépare à l'autre. Détendu, détendu. Et on remonte. Voilà, relâchez les épaules. Relâchez. Corps à quatre pattes, un petit passage d'oron, chat d'oron, je pousse mon bassin en avant, mais aussi j'essaie d'arrondir, en fin de compte j'essaie d'arrondir là, les lombaires qui sont creuses. Bon, bien sûr ça s'arrondit naturellement, les dorsales c'est déjà arrondi, mais essayez de penser que vous poussez là, la partie de votre corps qui est creuse, et ben j'essaie de l'arrondir, et je reviens, et pareil là, dos plat. Donc j'essaie de rester dos plat là, j'essaie de ne pas forcer ma cambrure au niveau des lombaires. Par contre, au niveau des dorsales, au niveau des omoplates, je peux essayer de vouloir plus creuser. Par contre, je fais attention là, à tirer derrière, hein, pas à tirer en l'air, pas à creuser mes lombaires, je rentre mon ventre. Dos rond. J'amène mon bassin sur mes talons. J'écarte au besoin un peu mes genoux. J'étire, je vais chercher loin devant. La tête se pose au sol ou pas, c'est comme vous pouvez. Déroulez le dos si vous voulez. Restez encore un peu. Ça, c'est à vous de voir, en tout cas. Toujours revenir de façon progressive. N'oubliez pas de vous hydrater, hein, de boire, alors pas 15 litres, mais quelques petites gorgées. On a travaillé, on a bien travaillé, il faut toujours tout hydrater. On a vraiment beaucoup d'eau dans notre corps. Nos ligaments en ont besoin, pas que les muscles. Nos disques en ont besoin. Donc, c'était une petite séance sympathique, non? De reprise, comme si finalement on n'avait jamais arrêté. Non, allez, on a fait 2-3 exercices de moins qu'on aurait fait sur une autre séance. Voilà, bah, écoutez, j'attends vos commentaires, vos avis, c'est important parce que moi dans ma petite boîte là, eh bien, je suis parfois un peu seule au monde. Et pour vous proposer des séances, vraiment, dites-moi ce que vous avez envie de travailler. Bon, après, j'en déduis que si vous me dites rien, c'est que tout va bien. Mais voilà quoi. Donc, vous voyez cette séance en replay, vous la voyez en direct. Tout va bien. Suite au prochain numéro, moi, je vous dis de passer une bonne fin de journée. Ou de soirée, ou de week-end. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette séance.
Et puis on se retrouve très vite pour de joyeuses nouvelles aventures, pour être en pleine forme. Voilà. Ciao, ciao.